bien, yo les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour du PVP bas niveau, niveau 60, avec entre autres le retour du Sacrieur Feu les gars, que j'avais justement délaissé il y a maintenant quelques mois, hein. Vous avez l'habitude à chaque fois que je reprends un petit peu le PVP. Après voilà, c'est vrai que j'ai d'autres objectifs un peu plus intéressants, notamment avec ma team et le PVM, tout ça, tout ça. D'ailleurs les gars, vous avez été nombreux à réagir par rapport à l'ancienne team ou la nouvelle team. Vous êtes pour la plupart pour un retour de l'ancienne team et je peux comprendre les gars. Je peux comprendre, donc ça au pire j'en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui les gars, j'ai fait des modifications concernant le Sacrieur. Alors les modifications je les ai fait hier soir, mais je vous fais seulement la vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai passé, alors j'étais en mode 10 PA 5 PM et je suis passé en 12 PA 5 PM. Mais je vous l'annonce tout de suite, les gars, ce stuff, il n'est pas spécialement hyper viable justement pour un sacrieur. Je vous le dis tout de suite, de toute façon, le sacrieur, je vous le dis en toute honnêteté, il ne restera pas. Parce que c'est une classe, voilà, j'avais déjà eu mon avis par rapport à ça, je vous l'avais déjà donné. Je vous ai dit que finalement, au niveau 60, sacrieur feu... À part douleur motivante, voilà, on fait pas grand chose d'autre, hein. On fait attirance, douleur motivante, on fait que ça. Mais bon, étant donné que j'étais en 10 PA, 5 PM, d'ailleurs, bon, c'est vrai que pour un sacrieur en PVP, le mieux c'est d'avoir 6 PM au minimum. D'ailleurs, les gars, bon, sans plus attendre, on va vraiment balancer du colis 1v1 directement, j'espère qu'on va trouver rapidement. Donc c'est un stuff 12 PA, 5 PM, alors comment est-ce que j'ai fait pour atteindre ça? Bah c'est simple, j'ai simplement changé le bouclier, j'avais un bouclier ExoPM, donc j'ai acheté un bouclier de guide ExoPA. À 1,5 million, donc pas cher. J'ai la cape fulgurant, donc voici mon stuff, hein, pour ceux qui le veulent les gars. Stuff 12 PA quand même au niveau 60, c'est pas trop dégueulasse. Donc caracoif, donc PA avec le 250 vita, ceinture tortue rouge over vita, toujours juste bot pour le PM. Et l'intel, flanc des étoiles over vita, donc qui donne également 25 intel, c'est pas trop dégueulasse. Alliance ethnique, donc c'est l'un des rares items qui donne pas de vita avec les bots. Donc bien évidemment le Giano PAPM, donc avant j'avais le Giano PA 200 vita, mais donc là vous pouvez voir que les gars j'ai une vita assez ridicule. C'est un petit peu le truc un petit peu chiant je dirais de ce stuff, c'est que certes j'ai 12 PA 5 PM, mais encore qu'on pourrait monter à 6 PM les gars. Mais il faut que j'ai up 67 pour avoir le God Rod. Puis je mettrai sans doute un mule d'eau. Et là je pourrais être je pense en 12-6. Je suis en train de réfléchir. Ouais, normalement ça devrait se faire. Concernant les trophées, bah c'est les trophées. Voilà, c'est ce que je peux mettre à mon niveau. Il n'y a pas vraiment d'autres choses que je pourrais mettre. Plus intéressant, il y a de la Vita. Érudit mineur, donc voilà, de l'intel, des dommages feu. 2 de PO les gars, ça c'est assez important. J'ai pas vu mon stuff donner combien de portée. Ça fait un bail que je l'ai pas connecté les gars, ce sacrieur. Et il donne 3 de portée, donc c'est pas trop dégueulasse. Pour le sort transposition, ça pourrait être quand même assez intéressant. Niveau vita, alors niveau stade, déjà je suis par chaud bien évidemment sagesse. Bon, je sais pas pourquoi il est par chaud sagesse ce perso là. Plutôt étrange. Je suis par chaud surtout intel et vita. Donc mes stats, j'ai tout mis en intel parce que les gars, bon, si j'avais pas mis mes stats en intel, j'aurais 400. Donc 400 intel, c'est vraiment pas ouf. Donc 600, je trouve, c'est le minimum, hein. Donc voilà les gars, du coup, le colis, j'ai l'impression qu'il ne se trouve pas. Donc c'est plutôt étrange. Je vais peut-être faire une pause les gars, et bah sans doute que je vais vous dire à tout de suite du coup pour un gros colis, je l'espère, avec si possible un maximum de rocks. Ok les gars, donc voilà, a priori j'ai trouvé enfin le premier colis. J'ai dû attendre quand même 2 bonnes minutes avant de trouver un colis. Alors on tombe contre un Ekaflip niveau 84, j'ai hâte parce que putain Ekaflip les gars c'est une classe qui rocks énormément. Encore une fois j'ai peur que ce stuff ne soit pas super opti. J'ai voulu faire un test les gars parce que jusqu'à présent lorsque j'avais justement des personnages PVP, j'étais très rarement en 12 PA et là j'ai envie de voir si finalement bon on a quoi, on a mutilation double. En fait on pourrait avoir un combo assez sympa, on pourrait faire mutilation tous les tours avec double douleur motivante plus une petite flamiche. Bon d'ailleurs le colis qui toujours le son qui bug, regardez hein, c'est pour vous dire les gars, même un Ekaflip, et lui il a 12-5, ouais mais bon, il est niveau 85 les gars, il a juste 84 pardon, il a juste 22 niveaux de plus que moi, donc il a forcément un meilleur stuff. Salut GLHF, là les gars, bon si le PVP ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous connaissez la petite recette des familles. Alors sacrieur, alors c'est vrai que les gars, excusez-moi, ça fait un bail, même le sacri que j'ai dans ma team, ouh un petit bonus PM, ça fait un bail que j'ai pas connecté, hein. La team j'avais plus abonné. Et sacri, bon je connais quand même les bases, mutilation, qui va nous booster directos, je pourrais même, bah oui douleur motivante aussi, qui me booste d'une charge il me semble, voilà super.
On fait pas d'énormes dégâts. Hein. Bon, même si c'est sur du 25%. Bon, lui, il a 6%. Donc là, les gars, on est déjà... Ok, c'est pas trop mal. Est-ce que je balance une épée? L'épée, il me semble que c'est moi qui la contrôle. Je vais peut-être pas la balancer maintenant. Si, allez, on la balance maintenant. Et on va se foutre ici. Normalement, l'épée, c'est bien moi qui la contrôle. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'avec mon sacré de sang, je contrôle pas l'épée? Alors, je sais plus, il y a une histoire de je sais pas quoi. Ah, attendez. Attendez. Épée... Vélos. Ouais, c'est parce que c'est pas la bonne épée en fait. C'est pour ça que je la contrôle pas. Bon bah du coup les gars, je l'ai invoqué pour rien. Bon, ça me fait chier mais c'est pas dramatique. Par contre les gars là, regardez, il y a une roulette PA. Mon dieu, ça va faire mal hein. Oh c'est super, il reste là. Donc les gars, on va faire une mutilation. Ouais putain, et après il faut quand même... Je fais quand même quelques dégâts intéressants. Bon, je tape pas de ouf, mais je pourrais invoquer. Regardez hein, j'ai encore de la marge. Je vais essayer de... Alors j'hésite là à invoquer un chaffeur ou un arachne. J'hésite les gars, j'hésite parce que là du coup... Berserk, on va faire Berserk peut-être. Allez, je vais faire Berserk parce que j'ai peur qu'il me one-shot. C'est un Ikaflip, il peut faire très mal, j'ai même pas vu, il tapait quel élément les gars. Terre-eau, c'est ça. Donc les gars, j'ai fait Berserk, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait là, il va me taper. Et là, il me donne de la puissance. Donc, a priori, il est terre, hein, pile ou face. Regardez, les gars, à chaque coup, je gagne plus de 52 puissance. Et en plus, il fait pas d'énormes dégâts, donc je suis plutôt content. Alors, les gars, c'est vrai que Sacrieur, vous le savez, je pense. Sacrieur en colis, généralement, en colis 1v1, vaut mieux le jouer pas full rocks, mais bon, moi, c'est pour le fun. La plupart des Sacri que vous voyez, généralement, ils jouent Sacrieur en mode full tank, mais moi, c'est pas trop mon but, surtout que mon stuff donne vraiment très peu de rocks. Donc là, regardez les gars, fou du 400, mon dieu. On va faire des petites flamiches. Douleur motivante à 400 encore. Heureusement qu'il s'est donné les points de bouclier les gars, sinon il aurait pris le tarot les gars. Je suis en train de lui faire du sale. Alors, pour le moment les gars, j'ai l'ascendant, mais attention, il va peut-être balancer la chance des capilles qui va réduire les dégâts que je vais faire. De 50% normalement au premier tour. Il fait... Alors les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que son rock c'est normal à son niveau? Après peut-être que je surestime un petit peu trop. Mais j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, on peut bien plus roxer. Bon. Il balance que... Ah voilà, chance des caflips les gars. Donc j'ai une roulette PA encore, c'est incroyable. Oui, j'ai bien une roulette PA. Alors mon corps à corps, je sais pas s'il tape beaucoup. Je vais encore faire une mutilation parce que c'est la base. Bon c'est vrai que vu qu'il a chance des caflips... Ah, j'ai l'impression que je peux pas le terminer. Allez, si je fais un chaffeur crit, j'ai pas de chance. Je vais m'éloigner un petit peu. De toute façon, les gars, je ne le terminais pas hein, à la flamiche. Après, il m'aurait encore une roulette PA. Mais les gars, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Trèfle. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? J'ai peur. Peut-être qu'il n'était pas boosté avant. Ah, roue de la fortune, il va la lancer, mais il me semble qu'il l'avait lancé aussi avant. Bah écoutez les gars, je suis très étonné. J'ai vraiment pas de résistance et pourtant les caflips ne rocks pas énormément. C'est plutôt étrange hein, qu'il rocks aussi peu. Bon, là il commence un tout petit peu à piquer, encore qu'il se préfile à 160. C'est... je sais pas. Ah, château enragé, bon non, ça va, il va pas le soigner. Mais là du coup les gars, il est en x2. Et bah je vais tout simplement lui dire un GG les gars, parce que normalement ce combat est gagné. Et ouais, et il est gagné. Bah, je suis plutôt content, les gars, parce que du coup, premier colis, premier retour. Et finalement, ce stuff 12 PA est pas trop mal, même si. Bon, je pense avec un stuff 10 PA, j'aurais sans doute battu. Parce que, bon, voilà, le stuff que j'ai actuellement, les gars, il donne. Bah, 600 d'intel, c'est pas dégueulasse non plus, hein, le Volcorn. Donc, ça, je voulais dire, hein, c'est parmi les modifications que j'ai faites. J'ai repris un Géano PAPM de la banque. J'avais aussi. Dans mon enclos, j'avais un Volcorn Orchidée level 100. Donc un PA 70 intel, c'est énorme pour un sacré, je trouve. Et j'ai investi dans un bouclier de guilde, ce qui fait un stuff 12-5. Mais je préférerais un stuff 12-5 pour un roublard plutôt qu'un sacré. Parce que là, vous pouvez voir que les gars, bon, avec la roulette, c'est vrai qu'il me restait des PA. Mais bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Du coup, les gars, je vais sans doute balancer un deuxième colis. Je vous dis à tout de suite. Ok, bien heureux les gars, donc on est parti pour le deuxième colis. J'espère trouver un colis un peu plus équilibré.
Et c'est un Nika Flip encore, et cette fois-ci, niveau 95, les gars. J'ai envie d'une deuxième victoire. Je sais pas pour vous, les gars, mais j'ai envie d'une deuxième victoire dans cette vidéo. Ça serait super pour un retour du PVP sur ma chaîne. Et donc là, c'est un niveau 95, Nika Flip, Card Teacher. Bon, il va m'apprendre des trucs, a priori. Hein. C'est un enseignant, sans doute. Bon, encore une fois, malheureusement, les gars, c'est pas équilibré. Bon, il est 9 PA, 4 PM. Lance Dofus argenté. Ouh là là, les gars. Ce Dofus est bien cheaté, d'ailleurs. Ah, mais oui, c'est vrai, les gars. Pourquoi est-ce que... Il me semble qu'il est échangeable, hein. Le Dofus argenté, je l'ai sur mon Sadie. Par contre, là, les amis, vous avez pu voir que il s'est bien boosté. Donc, est-ce qu'il a fait rouler la fortune des tours 1 ou je rêve? Il l'a fait. Oh là là, quel... Bon, je vais pas le clasher. Oui, donc je vais me booster avec Fury. Hop. Et voilà. Alors, épée volante. Alors, ouf! Oh putain, les gars, on n'est pas dans la merde. On n'est... Oh mon dieu. Ok, 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 ok. Oh, ok, ok, ok. Bon, je l'ai, hein. Oh super, je peux commencer à taper, les amis. Allez, hop. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? J'hésite à faire un berserk parce que je crois que 95, je sais plus s'il a son sort. Est-ce que j'aurais dû tuer le chaton? Oh mon dieu, je vais prendre le tarot. Ouais, là je sais pas, les gars. Bon, je vais carrément mettre là. Bon, il est que en 9 PA 4 PM, les gars, mais je crois qu'il a son sort griffe jeu, c'est ça, non? Ah oui, putain, 300 300. Mais oui, mais les gars, vous voulez que je fasse quoi, moi? Je vais crever. Je suis mort. Non, je suis pas mort. Je suis pas mort. Je suis pas mort, mais presque, quoi. Je sais pas quoi faire. Si j'ai pas du regain de vie, je sais pas quoi faire. Sauf que j'ai pas de regain de vie avec un sacrifeu. Le seul truc que je... Je sais pas quoi faire. C'est éventuellement ça. Berserk. Bah oui, mais les gars, là, je sais pas. J'espère que le chat... Ouais, non, mais il me tue. Bon, bah. J'ai même pas envie de lui dire GG, parce que franchement, les gars, 30 niveaux d'écart, c'est trop. 33 même. Ce colis m'a pas plu, donc je vais vous en faire un troisième, les gars. Je vous dis à tout de suite. Ok, bien re, les gars. Bon, voilà, 5 minutes plus tard, les gars. Franchement, c'est trop long que de trouver un colis à chaque fois. Alors, c'est un roublard. Alors, ça, c'est super intéressant, les gars, parce que j'ai envie de reprendre le roublard, justement. Donc c'est un roublard niveau 72, donc là c'est un peu plus serré, j'ai envie de dire. J'ai hâte de voir sa vitalité, 1800, vous voyez, comme quoi j'ai vraiment très peu de points de vie. Il est en 10 PA 6 PM, je pense que c'est suffisant d'avoir 10 PA ou 11 PA au niveau 60. Là aujourd'hui, les gars, c'était juste un test, hein, tester un stuff à 12 PA. Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir un stuff à 12 PA avec un roublard pour faire un maximum de combos. Pourquoi pas aussi avec un Yop, bon plus double tempête, bon 11 PA c'est suffisant. Donc là, les gars, on a un petit roublard des familles déjà qui j'aime pas là, qui s'y fout. On va faire fulgurance, on va faire ça. Et parce que j'ai envie de rusher, je connais parfaitement le jeu du roublard, en tout cas à très bas niveau. Là, il va tout simplement vouloir... Bon, c'est même à très haut niveau même. Tout simplement, essayer de faire en sorte que ses bombes grossissent un maximum. Mais bon, je vais éviter de laisser poser son jeu. De toute façon, c'est ça, hein. Généralement, Roublard, quand vous détruisez son jeu, bah, il peut pas faire grand-chose, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour le moment, il a très bien joué puisqu'il a tué mon épée. Là, d'ailleurs, c'est ballot parce que je vais sans doute... J'hésite à faire quelque chose... je vais faire ceci et on va tout simplement commencer à taper. Voilà, 300 et 358 en crit. Alors là, les gars, j'essaie de regarder est-ce qu'il va tenter de faire un combo. J'essaie de mettre à la limite le plus loin possible. J'aurais voulu peut-être le bloquer. Vous en pensez quoi? Bon, j'ai pas spécialement de tag. C'est vrai que... Ouais, parce que justement, regardez là, les gars, je lui donne la free zone pour... Pulsar,
D'autant que le roublard il peut me tuer très facilement, j'ai très peu de points de vie. Mais je pense pas qu'il puisse faire un combo de malade. Non, voilà, il essaie de me bloquer. Alors là par contre, très étrange son jeu. Bon, je sais pas s'il aurait pu faire quelque chose. Je vais me faire, voilà, petite mutilation. Double douleur motivante. Par contre les gars, et ça fait mal, hein. Même avec un stuff avec très peu de vita. 12-4, 12-5 pardon. On fait de beaux dégâts. Je sais pas ce que vous en pensez les gars en commentaire. Sa creep a l'air pas trop mal mine de rien. Et là du coup on essaie vraiment, voilà, de se placer le plus loin possible. J'essaie de voir en fonction du nombre de PM qu'il a. Il peut pas faire... non, je sais pas ce qu'il... Ouais voilà, bon, il va faire du regain de vie. Par contre c'est dommage pour lui parce que du coup, bah il est mort. Tout simplement. Donc je vais lui dire GG. Parce que normalement je le termine. Donc le double douleur motivante. Et c'est terminé les gars. Bon bah écoutez, je suis... Ah d'accord, il pensait pas que j'avais la transpo. Ok, bon bah écoutez. Écoutez les gars, bon bah écoutez, c'était une vidéo quand même assez courte, mais franchement ça m'a fait un plaisir fou de reprendre du colis. De reprendre du colis, surtout à ce niveau-là les gars, parce que vous avez pu voir franchement niveau 60, c'est tellement différent du niveau 200. Là, il n'y a pas de Dofusivore, il n'y a pas de Coco, encore que de Coco est équipable je crois au niveau 80. Donc je pourrais éventuellement à l'avenir tomber sur des personnes qui sont de Coco, mais à la limite de Coco ça va. Mais vous pouvez voir que les gens ne jouent pas encore résistance, ils ne jouent pas encore cancer à ce niveau là. Et c'est la raison pour laquelle les gars, j'adore le PVP bas niveau. Parce que au moins c'est du rocks, et moi c'est ce que j'adore tout simplement. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, c'était Jessic, ciao, bye bye. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna